Alors ici, on se trouve dans le club des Tontons Bagnoles. Hein. Les Tontons Bagnoles, donc, c'est une association que l'on a créée en 2016. D'ailleurs, l'idée vient de cette première voiture que j'ai acquise en 2015. Et puis avec des copains, on a décidé de créer ce club. Alors, il regroupe surtout des passionnés de voitures populaires des années 50-60. Donc on s'est installé dans ce chai. Enfin, c'est un ancien chai dans lequel on a fait donc, toute cette partie ici. On a fait la partie principale où on se retrouve, avec le petit bar bien sûr. Et tout autour, on a des emplacements où on stocke nos vieilles voitures. Alors, les tontons bagnoles, il est évident qu'il y a une connotation avec les tontons flingueurs, on ne peut pas le nier. Mais ce n'est pas exactement ça. Pourquoi les tontons? On a mis le titre les tontons parce que ça représente les voitures de nos familles, hein, de nos oncles, de nos tantes, de nos parents, de nos grands-parents. Donc c'est ce qui explique un peu le titre. Sachant qu'il est évident que quand on voit le logo des tontons bagnoles, c'est d'un arblier. Donc on ne peut pas échapper aussi au film. Également, on est ici des passionnés de films, parce que si on voit dans tous ces films des années 50-60, on retrouve toutes nos voitures. Alors le club est composé d'une quinzaine de personnes avec des profils très variés. Hein. Chez nous, on a des gens qui sont passionnés de mécanique, là, ils ont tout le temps les mains dans la graisse, ils aiment bien. Par contre, on a d'autres personnes qui sont plus des nostalgiques de ces voitures. Et également, quand on regarde un peu le profil des voitures, il y a un design magnifique. Quoi. Les voitures sont, regardez, celle-ci, c'est une Châtelaine, Simca Châtelaine de 1954. C'est très beau, quoi. Donc voilà, donc le club, il y a un peu un mélange de toutes sortes de personnes, un petit peu âgées. Hein. On a assez peu de jeunes, hein, mais je pense que ça viendra petit à petit. Parce qu'ils ne connaissaient pas ces voitures. Mais je ne veux pas non plus fermer la porte, parce qu'on commence à avoir des jeunes qui commencent à s'intéresser à ce type de voiture, parce qu'elles deviennent plus rares. Et ça commence à venir. Ouais. Alors aujourd'hui, bon, il faut savoir que le club est relativement jeune. Hein, mais bon, déjà, on a des passionnés de mécanique qui sont régulièrement, bon, c'est des gens des retraités aujourd'hui, qui sont régulièrement ici à bidouiller leur voiture. Également, on fait quelques sorties de temps en temps. On a participé au salon historique auto qui s'est passé l'an passé à la Beaujoire. Donc c'était une exposition de voitures de collection. Donc on avait pris un stand. On a exposé une Poire, une Chambord et une Simca. Autrement, on participe également au salon à Paris aussi. Et puis divers sorties qu'il peut y avoir dans la région. Alors là, c'est une DS. Hein. La DS, c'est vraiment une des voitures des plus mythiques. Hein. Moi, ça me fait penser à deux personnes. Une personne qui ne tourne pas dans le cinéma, c'est le général de Gaulle, hein, qui utilisait des DS, le petit Clamart, hein, qui peut rouler sur trois roues. Et puis, bien sûr, Louis de Funès. Hein. Louis de Funès, il va falloir que je fasse un petit nettoyage de printemps. Hein. Alors, Louis de Funès, dans Fantomas, hein, la DS, bon, celle-ci est rouge, mais l'autre était noire. Donc c'est vraiment une voiture des années 60-70. Hein. Ce qui était assez sympa, cette voiture-là, c'est que dans les années 70, ça ne coûtait pas très cher. Donc moi j'ai une petite anecdote, c'est d'ailleurs un petit film qui est sorti dessus, qui s'appelle Le Gang des DS, hein, qui a été tourné par un Breton. Et donc dans les années 80, un petit peu avant, il y avait des bandes dans le Finistère qui déboulaient avec leur DS, foutaient un peu le bazar dans les bourgades. Et donc, c'est vraiment une voiture, moi que j'aime beaucoup, hein, parce qu'elle a une forme extraordinaire. Et on peut la retrouver dans des films, souvent dans des films modernes. Hein, elle représente une voiture du futur. Et c'est assez marrant. Hein. Dans Retour vers le futur, à un moment donné, vous voyez une DS passer. Alors voilà, pick-up 203. Ben là, c'est vraiment la première voiture que j'ai acquise dans ma collection. Hein. Et cette voiture, elle me fait penser un petit peu à l'Afrique. Souvent, dans beaucoup de films tournés en Afrique ou en Afrique du Nord, on retrouve ce fameux pick-up. On le voit d'ailleurs dans Le Salaire de la Peur. C'est la frégate de chez Renault. Hein. À l'époque, c'est une voiture qui date des années 55-60. C'était un peu pour concurrencer la DS. Hein. C'était le haut de gamme de chez Renault. Et là, à côté, on a une petite Simca à Rome, qui est la petite sœur de la Châtelaine. Il me semble bien qu'il y a un plan dans les Tontons Flingueurs où il y a Lino Ventura qui se trouve à conduire une frégate. Hein.
catégorie. Alors là, vous avez une part, une PF17. La particularité de cette voiture, c'est que les coques étaient faites en alu. Et j'adore la forme, elles sont vraiment magnifiques. Magnifiques. Alors, si je ne me trompe pas, il y a une scène dans les Morphalou où on voit cette fameuse part. Là, vous avez la petite Renault, la Dauphine. Alors, particularité de ces voitures-là, c'est que si j'ouvre le coffre devant, il y a un trou, il n'y a pas de moteur. Le moteur se trouve derrière, il ne faut pas se tromper. Alors là, on la retrouve dans les tendons flingueurs, bien sûr. Et puis là, la 203, qu'on va trouver dans les vacances de M. Hulot, dans la région, hein, et également, bien sûr, dans les tendons flingueurs. Alors là, la Renault 8, hein, c'est la voiture mythique de chez Renault. Hein, hein. Et d'ailleurs, on la retrouve en version Gordini, en version sport. Et à ce sujet, le film de Georges Lautner, Ne nous fâchons pas, on va avec nos acteurs Ventura, Lefebvre et Constantin. Et c'est une voiture magnifique que j'adore. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, une Renault Gordini, ça coûte 50 000 euros. Hein. Donc c'est des voitures un peu pas données. Hein. Alors là, c'est la petite voiture de chez Renault, la 4 chevaux. Il faut savoir que c'est une 4 places. Et on la retrouve en arrière-plan dans les Tontons Flingueurs, avec en devant celui qui a joué dans le monocle, Paul Meurice. Hein. Et ça fait une belle photo. Alors là, c'est une voiture très intéressante. C'est la Mi 6 de chez Citroën. Hein. Bon, déjà, on la retrouve dans les tendons flingueurs. Et la particularité de cette voiture, c'est qu'elle a été designée par un Italien, ce qui fait qu'elle a une forme vraiment très sympa. Bon, le désavantage, c'est que c'est pas terrible, c'est pas très fiable, parce que la carrosserie est très fragile. Ah, par contre, je tiens à la garder, parce que c'est quand même la voiture qui a tourné dans les tendons flingueurs. Et là, on arrive à la traction. Donc la traction de chez Citroën, bon, c'est l'une de mes voitures préférées. Hein. Bon, elle a deux facettes, la traction. Hein. Bon, elle a servi pendant la guerre, côté Gestapo, mais également elle a servi côté FFI résistant. Hein. On la retrouve dans plusieurs films, hein. Moi je pense à l'Armée des Ombres, mais également au film de Pierre Tchernia, hein, Le Viager. D'ailleurs, la scène finale, j'adore la scène finale, hein. T'as Depardieu et puis Brasseur qui font exploser le feu d'artifice dedans, et puis ça fait un bon feu d'artifice extérieur. C'est vraiment ma voiture préférée. Alors je suis passionné par le cinéma. Et ce que j'aime bien faire, ce que j'ai fait récemment, je fais des petits montages. Donc là, j'ai fait un petit montage en prenant des petites scènes cultes de films. Ça fait à peu près 3 heures de film. Hein. Donc on retrouve tous nos acteurs préférés, hein, du Jean-Yann, du Marielle, du Ventura, du Gabin. Et donc, pour rebondir à ce sujet-là, j'ai un site qui s'appelle Le Mécano, qui est à Rosé. Hein. Donc c'est un site culturel où il y a une vingtaine d'artistes. Hein. Donc on a tout, des graffeurs, des peintres, des décorateurs. Et donc on a décidé de faire cet été, hein, un cinéma plein air. Donc on fera environ 8 séances en fonction de la météo sur juillet et août. Et où on passera du court-métrage, du reportage, des films d'arrêt essai, local si possible. Hein. Et ça sera donc sur la période d'été. Donc le cinéma, toujours le cinéma. Alors là, j'ai une petite surprise pour vous. Je vais vous montrer mon trésor. Voilà, donc c'est la Chambord. Alors pourquoi c'est un trésor? Parce que c'est la voiture qui est utilisée dans les Tontons Flingueurs. C'est la voiture de l'homme de main. Et également, c'est une voiture, pour moi, c'est une voiture magnifique. Quoi. Elle a des formes superbes, avec, vous voyez, ces petites ZR, la calandre à l'avant. Et donc, c'est une voiture que j'utilise régulièrement. Alors pourquoi elle est à l'abri? Parce que c'est quand même un petit trésor, donc c'est pour ça qu'on la garde dans ce garage fermé. Et je roule assez régulièrement avec, hein, on la sort. Bon là, je la sors peu l'hiver. Parce que bon, c'est des voitures qui sont quand même assez fragiles maintenant. Hein. C'est une voiture qui a plus de 60 piges. Hein. Mais je roule l'été, je roule assez régulièrement avec. Oui. C'est un coup. Il est équilibré quand même parce que de temps en temps, on revend des voitures. Donc on essaye de faire une petite marge qui nous permet de payer tous les frais fixes. Mais c'est vrai que c'est un coup, hein. C'est évident. Alors là, sur le mur des Tontons Bagnoles, c'est un graphe qui a été réalisé par Escat. Et à dire vrai, j'ai l'impression qu'il y a une petite ressemblance, ça me ressemble un petit peu. Bon, faut voir.